Assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonne-toi et active la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réaliser ce type d'introduction, c'est-à-dire le texte qui monte et qui descend du début vers la fin. Donc, pour faire ça, je pars dans Kinemasta. Je vais choisir une image au format noir. Ici, je valide. Donc, je vais mettre le temps à 7 secondes. Ensuite, je pars au niveau de l'IO, texte. Tandis, OK, l'IO, texte. Je vais écrire motion graphique. OK, graphique maintenant. OK, je pars fond. Au niveau de fond ici, je prends Android, je prends Robot Light ici, je ferme. Je descends au niveau de texte option. Ici, je clique. Maintenant, je mets à plus 23. OK, c'est pas mal. Je vais valider ça. Donc là, je crois que c'est bon. Je vais descendre au niveau des ombres ici. Je vais choisir une couleur pour mon ombre. Je prends 8, 190. Ensuite, je prends 20. Attendez, OK, bon. Je descends là, je prends 14 comme ça. OK, c'est bon. Je valide ça. Maintenant, le texte également, je vais lui donner 7 secondes aussi comme temps. Maintenant, ce qu'on va faire, on vient au niveau d'ici pour capturer ça et enregistrer. OK, maintenant, je vais effacer mon texte. Je vais importer au niveau de l'IO ici l'image que j'ai capturée et j'ai enregistrée. Donc là, je vais très bien positionner. Maintenant, ce que vous allez faire, vous regardez très bien la partie là. Je vais choisir une animation. Donc l'animation là, je crois que c'est bon. Attendez, maintenant, on va prendre une animation de sortie qui descendra. C'est ça qui nous permettra que ça descende. OK. Je crois que ça, c'est pas mal. Mais laissez-moi vérifier un autre. Bon, maintenant ça. Ce que je vais faire, je vais rogner maintenant. Vous voyez, je suis en train de zoomer très, très bien. Donc, je vais essayer de rogner. Je vais le dupliquer et rogner à chaque fois, c'est-à-dire chaque lettre doit correspondre à une piste. Donc, premièrement, je vais rogner pour avoir uniquement l'M qui est là, la lettre M. OK, attendez, vous le faites très très bien. Maintenant, je vais dupliquer. Cette fois-ci, je vais prendre... Je vais essayer d'abord de couper au niveau d'ici pour que les débits soient différents. Donc maintenant, je retourne au niveau de crop ici pour rogner. Je vais prendre la lettre O. C'est comme ça que vous faites. M6 jusqu'à la fin. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous pouvez également aller sur Instagram, me suivre là-bas. Grâce à ce qui est écrit ici, Gourkoubal, c'est le nom d'utilisateur, c'est mon nom d'utilisateur de YouTube, de Instagram, je m'excuse. Donc vous pouvez partir sur Instagram, me follow là-bas et m'écrire si jamais vous avez des questions. Vos suggestions également sont les bienvenues parce que sur cette chaîne, l'objectif c'est de partager le peu de savoir acquis.
Donc, je vais essayer de vous dire ce que je connais dedans et vous me dites ce que vous aussi vous comprenez. Donc, je vais accélérer ce processus pour ne pas qu'on ait une vidéo très très longue. Vous voyez déjà sur l'image comment ça fonctionne. Donc, abonne-toi et active la cloche de notification. J'ai fait également des playlists qui portent sur Pixar. Je fais des montages photos. Tu peux aller sur Pixar dans cette playlist voir ce que j'ai fait. Donc, une fois cela fait, cette fois-ci, je vais essayer de faire l'inverse de ce qu'on a fait. C'est-à-dire, je vais réduire petit à petit mon texte. Maintenant, il faut couper. Le premier, je vais attendre. Non. Ouais, on peut commencer par celui-ci. Je vais couper sa fin au niveau d'ici. Donc, maintenant, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que la lettre qui se trouve en dernière position soit plus une fin plus longue que celle de la position avant. Remarquez seulement comment je suis en train de faire. Donc, puisque j'ai déjà expliqué ça, là maintenant, je vais essayer d'accélérer un peu le processus, histoire de résumer un peu notre vidéo. Sinon, on risque d'avoir une vidéo de plus de 10 minutes. Juste pour couper ça, step by step, c'est-à-dire étape par étape. Donc là, je crois que c'est bon. On peut faire une petite lecture, voir ce que ça va donner. Là, c'est bon, l'animation d'entrée, la sortie. Ok, c'est parfait. Maintenant, vous exportez la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Laisse-moi un commentaire si tu as pu réaliser ça sur tes vidéos comme introduction. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.